Quand on n'est pas à notre place dans notre vie, la tristesse, elle nous tient. Elle nous tient. C'est une incohérence, en fait. Mais à ce moment-là, je ne comprenais pas la vie comme je la comprends maintenant. Je comprenais du développement personnel, mais je ne comprenais pas la vie. Je faisais partie de ceux et celles qui cherchent l'équilibre. Je la laisse entrer, celle-là. OK, soyons honnêtes, là. Qui ici est à la recherche de l'équilibre? Levez la main. Levez la main, levez la main. Regardez autour de vous, juste pour être sûr. OK, baissez la main. OK. Parmi ceux et celles qui ont la main, qui ont levé la main, qui parmi vous connaît quelqu'un qui est toujours en équilibre? Fait que là, vous cherchez quelque chose que vous n'avez jamais vu personne avoir. Sérieux, pensez-y deux minutes. On cherche à être en équilibre, à performer, à être sa coche, à bien dormir, à bien manger, à bien s'alimenter, à avoir des bons amis, à avoir des projets, des rêves, à avoir un feu intérieur, la kundalini allumée de chi, les étoiles dans les yeux. Et on le veut de façon permanente, s'il vous plaît. Mais on n'a jamais vu personne comme ça. C'est de la pure folie. C'est véritablement de la pure folie. La vie, c'est ça. Tu veux prendre une photo? Prends une photo de moi, mon ordinateur, ça va me servir. La vie, c'est ça ici. Hop! Vous allez le voir, ça va prendre 2, 3, 4, 5 secondes. Pouf! Hein? Avez-vous vu? Hein? La vie, c'est ça. Longtemps, j'ai cherché l'équilibre. Quand on cherche l'équilibre, c'est sûr qu'on souffre. C'est sûr. C'est une évidence. Si tu cherches l'équilibre, tu souffres. C'est une évidence. Un peu comme Guillaume partageait hier par rapport à la conscience, à la confiance. Si tu veux toujours avoir confiance, c'est clair que tu souffres. C'est sûr, c'est sûr. La vie, ouais, comme ça, c'est ce qu'on croit être. La vie, on pense que c'est comme ça. La vie, comme ça, vous allez l'avoir une fois. Je vous le promets, vous allez l'avoir une fois. Et ça va être accompagné d'un son et ça va faire bip. Je trouve ça drôle parce que vous applaudissez jamais aux bonnes places. Mais la vérité, c'est que la vie va faire bip, 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 bip. Changement, cycle, expansion, contraction, cause, effet. Ça, c'est le vivant. La vie, elle est comme ça. Les saisons sont comme ça. Mais nous, on voudrait contrôler. Fait qu'après ça, on cherche à performer dans la vie. Et là, on veut aplatir les courbes. On ne veut plus faire de mais non, ma chérie, t'es capable. Non! On veut plus faire ça. On veut être stable. C'est un synonyme de plate. Ah, vous dites-vous ça vous, ici en Europe? Plate, c'est drabe. Non, pas drabe. Plate, plate, c'est ça. Plat. Plat, ben oui, c'est pourquoi j'ai rajouté un E là-dessus, moi. Hein? Mon bon Québécois. Stable, c'est correct, en fait. Mais pas... pas comment quand je pourrais? Pas plat. 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 Mais je suis quand même international, là. Plat. Hein? En fait, on veut être vivant. On veut être vivant. Quelqu'un me dit, deux, trois fois, il me dit, « Hey, cette semaine, dans les derniers jours, t'as perdu du poids un peu. » Là, il est en train de me dire, « T'étais un peu plus gros avant. » Ouais, puis après ça, je vais me faire dire, hey, « T'as repris du poids. T'as perdu du poids. » Ma réponse est, « T'as dit quoi? Je suis vivant. » mais non, nous, on veut garder ça pareil tout le temps. On veut que nos amours soient toujours au maximum, on va avoir une vie passionnante tout le temps, on veut voir clair dans la vie, on veut pas perdre de poids, on veut pas être en bas ni en haut, on veut s'entraîner, on cherche à performer à la recherche de l'équilibre. Puis après ça, quand on commence à comprendre que l'art de vivre, elle est dans la nature. Et moi, ça a été une des plus grandes prises de conscience de ma vie. Au lieu de chercher à modéliser Martin, François, David, Ludovic, peu importe qui, on vient chercher des informations qui sont bien selon leur recherche à eux. C'est super important en tant qu'être humain qu'on ne prenne pas ce que François est en train de dire, qu'on ne prenne pas ce que Guillaume est en train de dire, qu'on ne prenne pas ce que Ludovic est en train de dire, surtout pas Ludovic.
Injustice! Mais qu'on ramasse la connaissance, la compréhension, la sagesse de Ludovic, puis qu'on teste, puis qu'on regarde la nature. De quelle façon la nature, elle applique ça? Qui ici, ça leur fait un bien fou aller dans la nature? Qu'est-ce qu'on retrouve dans la nature? La paix. Puis pour moi, une des plus grandes clés du succès, donc du succès, c'est pas un mot que j'utilise beaucoup maintenant, mais c'est juste de la sémantique, de la pleine réalisation, c'est d'être en paix et en amour avec la vie. Être en paix et en amour avec la vie en soi. Tomber en amour en disant « Oh! 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 Regarde! Je suis stressé! Oh! Oh! Regarde! J'ai pas le temps d'aller faire pipi! Je fais pipi en dessous des bras! Oh! Regarde quand j'utilise cette voix-là! Il rit! Ah! Là, il rit pas! » Juste voir le transfert d'énergie. C'est la nature.